Bonjour à tous. Monsieur le directeur général adjoint de la direction des finances publiques, monsieur le vice-président du Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, cher Gérard Ranchon, madame la commissaire du gouvernement, chère madame Sylvie Sanchez, mesdames et messieurs les hautes personnalités, mesdames et messieurs, chères consoeurs, chers confrères, je salue aussi, puisque j'en vois quelques-uns, certains et certaines de mes élus dans la salle, notamment au premier rang. Je salue aussi Jean Boucaud, qui, si mes indications sont bonnes, va certainement être prochain président de la compagnie des commissaires aux comptes de Versailles. Merci Jean, à toi d'être présent ici ce soir. Tout d'abord, je tenais à vous remercier très sincèrement et très chaleureusement, monsieur le directeur général adjoint, de nous accueillir dans ce magnifique centre de conférence Pierre Mendès France, situé au cœur des ministères de l'économie et des finances. Vous remerciez surtout d'honorer notre profession francilienne en parrainant cette cérémonie de prestation de serment. Il est important pour nous de pouvoir compter sur votre soutien par la même occasion, celle de notre tutelle. Permettez-moi également de saluer Sylvie Sanchez, commissaire du gouvernement auprès de notre conseil. Madame Sanchez, nous avons le bonheur de pouvoir entretenir avec vous des relations toujours enrichissantes et constructives, et notamment depuis 2 ans, depuis le début de ma mandature. Donc encore merci à vous de nous accompagner, et j'espère encore pendant de longues années. Monsieur le directeur général adjoint, nous sommes d'autant plus sensibles à votre parrainage que vous connaissez bien notre profession pour avoir souvent travaillé avec elle, notamment, je crois, lorsque vous étiez à la DGI et aujourd'hui à la DGFiP. Monsieur le directeur général adjoint, vous allez donc être le témoin du serment que les jeunes diplômés ici présents, inscrits à l'Ordre cette année, vont prêter, selon la formule consacrée, exercer leur profession avec conscience et probité, et de respecter et faire respecter les lois dans leurs travaux. Alors ces quelques mots ne sont pas anodins, ils sont tout simplement la clé de voûte de notre exercice professionnel, de l'honneur de notre profession. Chers consoeurs, chers confrères, en prononçant ces mots et en intégrant notre profession, vous devenez à votre tour, chacune et chacun, détenteur individuellement d'une parcelle de l'honneur de notre profession. L'excellence de votre comportement technique rejaillira sur l'ensemble de notre communauté. À l'inverse, si vous faillissiez à votre promesse, c'est à l'image de la profession tout entière que vous porteriez atteinte. C'est important que vous en ayez toujours conscience. Alors, plus prosaïquement, ce serment sonne également comme un aboutissement, puisque c'est l'aboutissement de longues années d'études, 8 ans après le baccalauréat, pour être précis, dont 3 années de stage, le tout couronné du fameux diplôme d'expertise comptable et avant ça de nombreux rapports et journées obligatoires. Pendant ces 8 années, vous avez construit pas à pas cette excellence technique qui caractérise le titre que vous portez. Vous avez acquis des méthodes de travail normées et appris de vos pairs, durant le stage, une éthique professionnelle. Je vous parlais donc d'aboutissement, mais en réalité, je préfère vous parler de commencement. Car oui, votre inscription à l'ordre, en fait, c'est avant tout un commencement, celui de l'entrepreneuriat au service des entreprises et de l'économie dans son ensemble. Un commencement d'autant plus important que vous arrivez dans la profession avec votre énergie, avec votre jeunesse. Ces qualités vont vous permettre, à votre tour, d'enrichir notre pratique professionnelle. Cet enrichissement est d'autant plus essentiel que nous vivons, vous le savez bien, une extraordinaire période de mutation. Vous le savez, nous sommes entrés de plein pied dans l'ère des nanotechnologies, de la génétique, et plus particulièrement du numérique, qui est si important dans nos cabinets. Je crois que la DGFiP ne nous démentira pas sur ce sujet. Et je le dis d'ailleurs avec d'autant plus de conviction, dans cette enceinte du ministère des Finances
et des comptes publics que notre profession s'est fortement engagée avec vos services, monsieur le directeur général adjoint, dans le développement des téléprocédures déjà, lorsque vous étiez à la DGI, en développant le portail jedéclare.com. Aujourd'hui, les téléprocédures se sont généralisées, la facture électronique prend son essor, les logiciels de reconnaissance numérique intègrent nos process de production comptable, notre façon d'organiser notre exercice évolue irrémédiablement. Votre force sera votre capacité d'adaptation et d'innovation. Votre force sera également d'accompagner cette mutation pour que chacune et chacun puisse en tirer le meilleur profit. C'est la raison qui, je crois, a conduit le Conseil supérieur, n'est-ce pas mon cher Gérard, à choisir pour thème du congrès 2015 celui du cabinet numérique. Un congrès d'ailleurs que nous accueillerons ici à Paris cette année, du 30 septembre au 2 octobre. Je compte donc sur votre présence massive, puisque vous le savez, c'est le Conseil régional qui sera chargé d'une partie de l'organisation de son congrès. Alors bien sûr, ces mutations peuvent faire peur, rebuter. Elles sont cependant inéluctables. Nous devons nous approprier tous les progrès de la technique sans jamais nous départir de notre éthique professionnelle. Ces mutations, en particulier dans la gestion des flux comptables, doivent nous permettre de libérer du temps et de l'énergie pour toujours mieux accompagner nos clients dans leur développement et leur croissance par des missions de conseil à forte valeur ajoutée. Je pense notamment aux missions de conseil en financement sur lesquelles, cette année, nous avons axé nos travaux, puisque vous le savez, au niveau du conseil régional, nous avons une thématique fil rouge chaque année, et donc cette année, c'était le financement. Je remercie tout particulièrement Stéphane Cohen, mon vice-président, qui s'est beaucoup investi sur le sujet. Je crois qu'il n'est pas là ce soir, mais il va peut-être passer plus tard. Chers consoeurs, chers confrères, ce qui fera votre force, ce sera donc votre capacité à démontrer que loin de l'image de simple teneur de compte, l'expert comptable est un conseil essentiel de l'entreprise au service de sa croissance. En cela, je vous invite donc à investir pleinement les nouvelles missions qu'autorise la réforme de notre réglementation et qui vous permettront demain de toujours mieux répondre aux attentes de vos clients. Pour cela, bien évidemment, vous pourrez compter sur le soutien indéfectible de vos institutions et de ses élus. Je vous remercie. J'appelle donc maintenant Gérard Ranchon, vice-président du Conseil supérieur de l'Ordre. Monsieur le directeur général, madame la commissaire du gouvernement, monsieur le président, messieurs les présidents, chers consoeurs, chers confrères. Donc, j'interviens aujourd'hui au nom du président du Conseil supérieur, Joseph Zernotti, qui parle en ce moment même à Dakar, dans le cadre des assises de la Fédération internationale des experts comptables et commissaires aux comptes francophones. Vous voyez que notre profession rayonne dans le monde entier. Notre profession se renouvelle aussi, et vous en êtes la preuve, puisque le symbole de ce renouvellement, c'est cette cérémonie du serment qui marquera sans doute le reste de votre vie professionnelle. Aujourd'hui, le vent de l'histoire souffle sur les professions réglementées, sous l'effet conjugué de l'ouverture des économies à l'international, d'Internet, des demandes de nos clients. Nous, experts comptables, nous ne nous plaignons pas, nous n'attendons pas que le vent change, nous ajustons nos voiles. Et nos voiles, ce sont les fondamentaux de notre profession qui n'ont pas changé depuis l'origine et qui sont résumés dans notre devise « science, conscience, indépendance ». Ces voiles vont vous permettre de traverser les tempêtes et de garder le cap en toutes circonstances. La science, c'est votre qualification sanctionnée par un diplôme de haut niveau, le diplôme d'expertise comptable que vous avez le mérite d'obtenir. C'est aussi l'engagement de vous former tout au long de votre vie afin d'être en mesure d'accompagner vos clients dans la variété des missions qui vont s'offrir à vous. La conscience et l'indépendance, c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui puisque la prestation de serment, c'est votre engagement à respecter au quotidien une déontologie dont l'indépendance sera la clé de voûte. Tout ceci a pour unique objet de faire de vous des conseils ayant la confiance de leurs clients et du monde qui nous entoure, associés, salariés, banques, entreprises, administrations.
Nous, experts comptables, nous sommes la source de cette confiance si nécessaire à notre économie. Ce soir, vous prouvez à votre famille et à vos proches que vous avez mérité leur confiance. Ce soir, la majorité d'entre vous va prendre son destin en main et s'engager dans la magnifique aventure libérale. Dans cette aventure, l'ordre va vous accompagner. Croyez en vous, soyez les bienvenus. Monsieur le Président Tocars, Monsieur le Président Ranchon, Mesdames et Messieurs, je vous salue d'abord et me réjouis de voir parmi vous non seulement une nouvelle génération d'experts comptables, mais aussi plusieurs générations. C'est un très joli signe et merci aux parents et pour ceux que cela n'a pas endormi, aux enfants, d'accompagner ce moment d'entrée dans une profession dont je suis très fier, au nom de Bruno Parent, le directeur général des finances publiques, qu'elle se fasse ici même, à Bercy, dans ce ministère double, le ministère des finances et des comptes publics, et le ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, c'est-à-dire à peu près tout ce qu'il vous faut et tout ce qui vous concerne. Choisir, et je vous en remercie avec fierté, votre tutelle pour être cette année vos parrains, me touche, nous touche. Je veux dire, mes collègues avec moi, merci de l'hommage que vous avez rendu à Sylvie Sanchez, dont je suis sûr que dans une très très longue carrière au service de la justice, elle rend de grands services auprès de vous. C'est une fierté collective qu'au nom de l'ensemble de l'encadrement et de la Direction générale des finances publiques, j'exprime ce soir devant vous. Merci vraiment. C'est à moi que vous faites plaisir. Vous êtes une profession réglementée, mesdames et messieurs. La mode superficielle y comprend des secousses. Moi, j'y comprends de la solidité, de l'engagement et des promesses d'utilité collective. Connaître, appliquer et faire valoir, redoutable sabotage, le cadre des lois. Faire entendre le sens protecteur, équitable du contrôle, et donc promouvoir le civisme, et offrir à haut niveau et partout, dans des conditions d'égale accessibilité, un service indispensable, voilà certaines des caractéristiques modernes, en tout cas, qui me paraissent le mieux dépeindre une profession réglementée telle que la vôtre, que la Direction générale des finances publiques, en charge de la tutelle, est heureuse avec l'ordre que je salue, de faire vivre. Quelques objectifs ou quelques pages d'actualité, voire, avec votre permission, de publicité. Nous comptons d'abord, c'est naturel, sur vous, chacune et chacun, pour être les gardiens du droit, et en particulier les gardiens du droit fiscal. Pour la raison très simple, et je l'emprunte dans sa formulation excellente et concise au président Zorniotti, que la fraude fiscale, ça n'est pas autre chose qu'une concurrence déloyale. Elle n'est jamais durable, elle n'est jamais équitable, elle n'est jamais soucieuse de l'avenir ni du collectif. Vous n'en êtes, et de loin, ni les seuls empêcheurs, les seuls surveillants, mais votre place, vos conseils, comme toujours en prévention, sont à nos yeux d'une valeur considérable. Au chapitre de la prévention, je rappelle ou signale l'intérêt pour la DGFiP et je l'espère pour vous d'entretenir un voisinage et une interpénétration utile avec les organismes de gestion agréés qui sont à leur place et souvent avec vous des auxiliaires extrêmement précieux et je le souhaite modernes d'une vie fiscale des entreprises bien organisée et facile, la difficulté n'étant pas l'objectif, quoi qu'il apparaisse. Et j'espère que cela aussi, je n'ai pas beaucoup de doutes, vu votre jeunesse et votre formation, doit être combattu. Combattu, deuxième objectif ou deuxième axe, le blanchiment, bien sûr. Ça n'est pas, à Dieu ne plaise, votre quotidien. Ça n'est pas l'inconnu. La profession doit être,
à sa place, en raison de sa place, l'une des premières et l'une des plus vigilantes contre le risque de blanchiment. Elle n'est pas la seule, mais le risque collectif que court notre économie et sa réputation justifie votre grande vigilance. Et je me réjouis à cet égard que vos référentiels de contrôle, avec l'aide de la tutelle, aient pu dans ce domaine beaucoup se moderniser, se raffiner et progresser. Troisième, et peut-être le plus important à cette époque, des axes, des objectifs et des partages avec vous, c'est bien sûr la pédagogie, mais la pédagogie pour une économie plus prospère et meilleure. C'est le mot pédagogie qu'employait M. Emmanuel Macron lorsqu'il s'exprimait devant vous lors de votre congrès de Lyon. Vous êtes parfaitement placé auprès des entreprises, le plus souvent, et je le souhaite vivement, à leur naissance et à chacune des étapes de leur choix, de leur développement ou, plus prosaïquement, de leurs échéances déclaratives, pour connaître, bien sûr, leurs devoirs, j'en ai parlé, mais fondamentalement leurs droits. Téléphone. Un seul exemple, tant il est majeur et important dans l'effort collectif consenti par la nation, le crédit d'impôt compétitivité emploi, 10 milliards d'euros, ce qui, à l'échelle de la dureté des temps et de la restriction des choses, est d'une importance sans comparaison. Bien sûr, c'est un chiffre, bien sûr, c'est une annonce, bien sûr, c'est un état, mais si ça n'est pas une action, si ça n'est pas ressenti, si ça n'est pas mesuré, si ça n'est pas employé par chacune des entreprises en droit d'en bénéficier et en ayant bénéficié, ça n'est pas utile. Rendez avec nous et avec bien d'autres cela utile. Ce sera, au passage, grâce à plusieurs améliorations que nous espérons avec vous, des remboursements plus précoces et des déclarations mieux faites, ça sera d'un bienfait collectif impérieux dans l'époque que nous connaissons aujourd'hui. Dans un ordre un petit peu différent, mais pas d'une importance réellement inférieure, je place la dématérialisation. Un des nombreux points communs entre votre profession et la mienne, ou l'ensemble professionnel que je représente, c'est le besoin, certes dicté par les contraintes, mais aussi par le souci d'être meilleur, d'être plus rapide, plus exact, de s'affranchir des erreurs, des solutions de continuité et d'être plus accessible. L'un des moyens, pas le seul, est la dématérialisation. Le monde professionnel dans le champ des obligations fiscales est celui qui, de tous, sur la longue période, grâce à une entente de longue date, a connu les progrès les plus consistants et les plus prometteurs. Nous arrivons au terme d'une avancée progressive concernant la totalité des entreprises, quelle que soit leur taille, de la dématérialisation des déclarations de résultats comme de chiffres d'affaires. C'est l'année prochaine 400 000 entreprises, et parmi les plus petites, qui seront concernées. Faisons les choses simplement, faisons les choses de manière accessible pour celles-ci, les dernières, mais pas les moins dignes d'intérêt, aussi bien chez vous, en proposant, et je me réjouis d'une convention passée entre nous, des opérations gratuites pour la première année, que dans nos propres services, en proposant des, alors c'est pas des bornes, mais c'est des terminaux d'accès libre dans les services des impôts des entreprises. Portez-vous volontaire pour cela. N'oubliez pas qu'une petite entreprise a de bonnes chances, si on l'aide, de devenir grande, et qu'une entreprise aidée aujourd'hui sera un bon client demain. L'impôt sur le revenu, car à la fin de la fin, ce sont tout de même seulement des personnes physiques qui composent un ensemble social, termine la boucle des progrès que nous avons à accomplir ensemble. Je me réjouis tout particulièrement qu'après que nous avions diagnostiqué ensemble et de longue date le besoin, la facilité, la possibilité technique et juridique que l'échange de données informatisées offre à l'experte et à l'expert comptable d'être le protagoniste de la déclaration de revenus, représente pour nous
un intérêt considérable. C'est environ 1 million de déclarations supplémentaires qui rejoint le flux de 15 millions de télédéclarations dans un pays où, à système constant, les formalités ne sont quand même pas si simples. L'objectif de les rendre accessibles est donc d'une importance absolument vitale. Tout ceci et maintes autres choses me paraît pouvoir contribuer à faire de votre profession réglementée une profession, et c'est ça à mes yeux le vrai sens de l'adjectif réglementé, une profession utile et utile à l'intérêt général. Sans connivence ou mélange des genres, c'est tout de même sincèrement, et peut-être était-ce dans votre esprit l'un des motifs de ce parrainage, un point plus que commun entre nos métiers et nos vocations. Je me réjouis, et ça c'est votre trajectoire, que dans le siècle, votre profession s'ouvre, qu'il s'agisse des conditions d'accès au capital ou d'autres dispositions que M. Macron récemment devant vous a saluées. La DGFiP, dans son rôle de tutelle, est heureuse et désireuse d'accompagner et vos changements et vos ouvertures. Certaines méritent des précautions, vous êtes les premiers à les souhaiter, elles nous conviennent et nous les accompagnerons. Je pense par exemple, jolie expression, à ce qu'on appelle les honoraires à succès. L'administration n'a aucune raison, contrairement à une réputation certainement mal fondée, d'être ennemie et du changement et de la modernité. Au contraire, si vous progressez, nous progressons. Vous avez devant vous, mesdames et messieurs, je ne parle pas de cet instant même, 3,5 millions d'entreprises. Je parle de la France entière, pas que de l'Île-de-France. Appréciez que c'est presque autant que de fonctionnaires de toute nature. De la sorte, et dans les deux cas, ce sont des sources d'espoir, d'initiative, d'emploi, de construction collective de vie sociale, de progrès pour l'économie. Votre métier, le mien aussi, l'exactitude, la soutenabilité, la visibilité doivent, et je l'espère, au début de votre carrière, et je fais pour vous, avant votre serment, ce vœu, aider notre pays qui le mérite au progrès. Belle carrière, beaucoup de réussite et à bientôt. Je vais adresser les micros. Bonjour à tous. Alors, je me présente, Nicolas Yakubovitch. Vous savez, le conseil régional de l'ordre des experts comptables est doté d'un certain nombre de commissions et je suis le président, le représentant, un des maillons de la chaîne, de la commission accueil confrères, qui est la commission qui, par essence, vous tend la main et qui s'occupe notamment de cette prestation de serment. Et je suis évidemment très heureux de vous accueillir nombreux, en famille, qui plus est, puisque ma prestation de serment, en ce qui me concerne, n'est pas si lointaine. Ça me permet d'y faire un petit clin d'œil, ainsi qu'aux présidents successifs de cette belle institution. Avant de passer à la phase pratique de cette prestation de serment, j'aimerais vous rappeler une date importante, puisque cette commission accueille, au-delà de l'organisation de la prestation de serment, est chargée de vous offrir un certain nombre de prestations, notamment des prestations de formation un peu éloignées des prestations techniques qui sont régulièrement ce qu'on retrouve dans nos formations, dans notre cursus professionnel, et notamment une formation qui s'organisera dans les locaux de votre prochaine maison, au Conseil régional de l'Ordre, à côté de la gare Saint-Lazare. Le 15 décembre prochain, sinon la présidente de ma commission Valérie va me taper sur les doigts parce que j'aurais oublié la date. Donc le 15 décembre prochain, pour la journée, vous êtes accueillis, mais vous recevrez une convocation à ce sujet pour une formation pour la journée sur des formations pratiques et assez éloignées des,
des formats techniques que vous connaissez déjà. Bon, cher Julien, cher Gérard, monsieur Mazurik, monsieur le directeur général adjoint, je me réjouis de l'accueil de cette promotion dans cette maison hautement symbolique qui, à mon sens, matérialise la relation de confiance entre notre profession et notre tutelle. Et je vous demandais d'ailleurs avec malice si vous preniez conscience qu'en parrainant cette promotion, en quelque sorte, vous sécurisiez la base fiscale de notre pays pour demain. Et Dieu sait si en ces temps compliqués, le sujet est d'actualité. Je vais passer à l'appel des membres de cette commission. Et pour donner un caractère un peu solennel à cette prestation, nous égrainerons tour à tour le nom des récipiendaires. Et je vous remercie tous à l'appel de votre nom de vous retrouver ici sur l'estrade, puisque nous aurons une formation un peu solennelle tout à l'heure à ce sujet. Je voudrais juste vous rappeler au préalable que cette prestation de serment est retransmise en live sur le site de l'Ordre des experts comptables en streaming, que l'année dernière, nous avions déjà battu notre record avec plus de 400 retransmissions directes. J'espère que on n'atteindra pas la finale de Koh-Lanta ce soir. Voilà, il faut un peu sourire aussi, c'est un bon moment pour vous aussi. Mais j'espère qu'on battra notre record. Voilà, et j'en profite pour faire un petit clin d'œil à tous ceux qui nous regardent. Bon, écoutez, j'appelle les membres de la commission, Aymeric Jeannet, Georges Hazard, Jérôme Wauquenin et Philippe Bonin. Alors, c'était les membres de la commission, ce n'est pas les premiers récipiendaires. C'est moi qui vais commencer. On va peut-être, oui, d'un point de vue logistique, on va bouger peut-être un peu les sièges, puisque vous êtes assez nombreux, puisque vous êtes plus de 100 à avoir répondu à l'appel de cette prestation de serment physiquement, et vous êtes plus de 200 à avoir réussi brillamment le diplôme, et donc pour faire partie de cette belle maison. Donc j'appelle les premiers noms. Christophe André. Jérôme Arennes. William Argençon. Alors vous m'excuserez si il y a des petites fautes de prononciation de nom, mais vous savez, moi je m'appelle Yakubovitch, donc depuis mon plus tendre enfance, j'ai eu le droit. Donc, Pascal Attia. Armel Bagieux. Olivier Bauduin. Christine Bellini. Stéphane Belon. Sylvie Belsoeur. Sandra Bonnefond. Claire Bordet-Lourd. Agnès Boulanger. Fatima Bounia. Vous avez le droit d'applaudir, Sébastien Briand. Francis Chartier. Delphine Chavigné. Malika Chemi. Éric Chenaillet. Arnaud Coutan. Cécilia Da Silva. Adèle Dadi. Thibaut De Salvage de Clavière. Aymeric, je te laisse continuer. Non ? Philippe. Alors Philippe, vas-y, je t'en prie. Élodie Delame. Constance Demour. Céline Desfonds. Cédric Dessault. Guillaume Devaux. Mansour Dial. Moussa Diallo. Lisa Dieng. Sendil Jea Rahman, désolé. Jérémy Dovanlan. Alice Dubernet.
Adrien Duprat. Saad El-Jamali. Mourad El-Géry. Frédéric Elkes Lassi. Guillaume Fayet. Ilan Forêt. Fanny François. Gérard Gambaro. Olivier Gatinois. Atem Gréhé. Sarah Guéraud. Aurélien Guinard. Christophe Aberland. Yann Hervé. Marie E. Samba Khan. Fabrice Klein. David Koestner. Nadine Corin-Besser. Patrick Coissy. Camille Lamy. Ismaël Latounji. Patrick Latour. Françoise Laurent. Ludovic Letestu. Morgane Lutschmann. Marie-Hélène Levasseur. Maryse Mancel. Vincent Masson. Jean-Claude Mougy. Mohamed Michgal. Marie-Jeanne Morvan. Et Jérémy Nivelle. J'appelle à mon tour Maxime Wanon, Charlotte Passedoix, Vincent Patron, Julien Petre, Charles-Antoine Petronio, Marine Piquet, Philippe Pisaferri, Xavier Poulet-Goffard, Nicolas Poussy, Grégory Prouveau, Yvan Quénardel, Mathéa Kersi, Mathieu Kersi, Francine Queteuil, Florian Quin, Rosa Regnault, Sandrine Rollet, Marie-Caroline Rénal, Stéphane Rimbeuf, Julien Rivals, Frédéric Robert, Stéphane Roger. J'appelle à mon tour Marie-Claire Roger Gros, David Rouas, Éric Saban, Yolande Salmon, Dan Samama, Guillaume Sauvage, Séverine Cher, Édouard Schwarzberg, Maxime Sekouni, Mohamed Selam, Johan Selam, Frédéric Tanier, Hilaire Tchedjou, Virginie Toche, Olivier Usan, Nora Vartagnan, Gilles Vicente, Jean-Baptiste Vincent, Patrick Vincent Genot, Michael Vierzchouki et Julien Zeytoun. Bon, vous êtes resté très discret, je pense qu'il mérite un tonnerre d'applaudissements, vous pouvez y aller. Je crois qu'effectivement, c'est un grand moment pour eux. Bravo à vous. Je vois qu'on a bien rempli la scène.
Vous êtes venus nombreux, même si c'est vrai que cette organisation s'est faite un petit peu à la dernière minute et on vous a prévenu très peu de temps avant cette cérémonie. Et malgré tout, je crois que vous êtes encore plus nombreux que l'année dernière à prêter serment. C'est exact. Plus de 110 personnes, 110 récipiendaires. Donc bravo à vous. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va appeler les deux plus jeunes. Je crois que ce sont d'ailleurs faits exceptionnels cette année. Ce sont des frères et sœurs. Je crois que ce sont les frères et sœurs Kersi. Et qui travaillent dans le cabinet familial. Voilà, je crois qu'on peut les applaudir. Donc, je pense en plus que c'est la première fois que ça arrive. Deux frères et sœurs, puisqu'on prend toujours une jeune femme et un jeune homme, les deux plus jeunes, et cette année, ils sont frères et sœurs. Donc, encore bravo. Ce que je vous propose, c'est de réciter cette fameuse prestation de serment qu'on peut peut-être afficher. Alors, je ne sais pas si on l'a en visuel là-haut. On ne l'a pas. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous la connaissez par cœur? Vous l'avez en tête? Alors, ce que je vous propose pour la première fois, c'est de répéter après moi. Hein? Donc, je jure d'exercer... Allez. Je jure d'exercer... Ma profession... Avec conscience et probité. Avec conscience et probité. De respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. De respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Je vous propose de le refaire tous ensemble en chœur. Allez-y. Et tout seul. Vous allez y arriver? Oui, hop. C'est bon, t'inquiète pas. C'est bon. Petit anti-sèche. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Bravo, bravo, je crois qu'on peut les applaudir. Merci à tous. Je crois qu'il est prévu maintenant un cocktail. Oui, donc je vous rappelle... Tu voulais rajouter quelques mots? Je vous rappelle la date du 15 décembre, merci de le noter. Et évidemment, maintenant, un cocktail est prévu dans la pièce, enfin dans la salle d'à côté, de manière à pouvoir partager et puis allez, fêter votre nouvelle et fêter inscription votre... à l'ordre. Voilà. Encore bravo et on vous attend tous donc au cocktail juste à côté. Merci à vous. Félicitations. Et bravo.